shining on a cloudy day. And it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving. I can't feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one here. Ok, résultat du tri, j'ai ce sac avec des fringues que je vais proposer à mes copines. Ce sac qui est énorme, qui va chez Emmaüs, en fait qui était là-dessus. Et plus les fringues que j'ai triées, bref, qui sont pas forcément vendables. Ou en tout cas, voilà, des trucs, je sais qu'au dépôt vente, il ne les prendra pas. Donc je vais les déposer chez Emmaüs, je me dis que ça pourra toujours servir. Derrière, c'est des fringues que je ramène chez ma maman, parce que je pense qu'il y a des pantalons qui lui vont, des pulls et tout, donc je vais voir avec elle, sinon je les stockerai chez mon père, parce que c'est genre ce jean là, il est sentimental. Je l'ai récupéré chez ma grand-mère et j'ai pas envie de le vendre, mais pour l'instant je rentre pas dedans, donc voilà. Et ensuite j'ai ces fringues là, qui sont des fringues plutôt en état mais assez petites, que je vais garder pour ma belle-sœur, la petite sœur de mon copain, donc je vais lui apporter et je verrai ce qu'elle me prend et ce qu'elle me prend pas, elle ira au dépôt vente. Tout ce qui est là-bas, c'est deux robes qu'il faut que je reprenne. Il y a la mijaurée de Française une fois qui me va toujours pas, et une robe longue que j'avais achetée, mais voilà, le haut est trop petit. Par contre, le bas est cool, donc je vais transformer cette robe en jupe. Bon, je vous retrouve avec ma tête covidée. En gros, le tri, je fais pas un tri tous les mois dans mon dressing, mais je fais un tri, on va dire un tri par saison. Donc là, on va bientôt être au printemps, enfin on sort de l'hiver gentiment, donc je fais un tri pour y voir un peu plus clair. L'objectif quand même, c'est de faire un gros tri là. En fait, je fais des tris régulièrement, j'enlève des choses et tout, mais le but, c'est vraiment petit à petit décrémer en fait les vêtements pas de bonne qualité, les vêtements que je mets pas, pour pouvoir ensuite avoir un dressing vraiment pérenne avec des vêtements que je mets, avec des belles pièces qui vont durer longtemps, entre autres des choses que je couds. Ça, c'est vraiment super important pour moi, même si je vais quand même, là je donne une ou deux pièces que j'ai cousues il y a un an et demi, quand mon niveau de couture était vraiment pas le même qu'aujourd'hui, donc forcément je renouvelle un peu, mais j'essaye d'éviter quand même. Et ouais, l'objectif, c'est vraiment au bout d'un moment d'avoir un dressing à peu près fixe que je vais garder longtemps. Après, ce qui va jouer, c'est les tailles. Si je prends ou que je perds des tailles, là forcément bah je change les vêtements, mais globalement voilà. J'ai pas refait de sélection 333, alors je fais aussi une parenthèse, j'ai pas fait de vidéo bilan 333. Je vous ai fait une vidéo où je trie justement mon dressing, faut que je me bouge. Je vous ai fait donc une vidéo en octobre, septembre-octobre, je sais plus, peut-être septembre, avant la rentrée, où je faisais justement le 3-33 challenge, où je condensais en fait 33 pièces de mon dressing pour pouvoir les porter durant 3 mois. J'ai jamais fait de retour sur ce challenge parce que j'ai été prise dans le flot de la vie. C'est vraiment la pire période pour faire cette vidéo et vous faire un retour et penser à me filmer tous les jours et tout, c'est vraiment compliqué. Donc je vous ai pas fait forcément de look, j'ai pas fait forcément de suivi, on va dire, de ce challenge. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un challenge que moi j'aime bien parce que vraiment ça permet d'avoir en fait un dressing assez intelligent en fait pendant 3 mois, et du coup d'avoir vraiment des pièces voilà qu'on arrive à emboîter assez facilement. Ça permet vraiment, comme je vous le disais dans la vidéo, de porter des vêtements qu'on n'a pas l'habitude de porter, de faire de nouvelles associations et de gagner vraiment du temps et de se libérer un peu de charge mentale. En revanche, peut-être que le format 3 mois, 33 pièces pour 3 mois, c'est pas forcément plus adapté. Là, je me suis rendu compte que peut-être ce qui me conviendrait le mieux, et c'est un challenge que j'avais vu sur You Make Fashion, je crois, une fille YouTube très cool, j'ai plus son prénom, et elle avait fait le challenge 1 mois 12 pièces, donc elle avait 12 vêtements pour 1 mois. Alors je trouve c'est petit, 12 quand même, mais peut-être que sur des périodes plus courtes, sur 1 mois, c'est quand même plus intelligent que 3 mois 33 pièces. Alors après, ça demande de refaire la sélection tous les mois, mais moi ce qui s'était passé du coup en octobre, fin octobre début novembre, en fait il faisait plus le même temps que début septembre. Au début septembre il fait encore beau, voilà, c'est encore la fin de l'été, il y a encore un peu de soleil et de chaleur, alors que début octobre, mi-octobre,
début novembre, il fait clairement plus beau, il fait clairement plus chaud, il fait froid, il fait gris. Et donc du coup je m'habillais plus du tout pareil, les fringues que j'avais sélectionnées n'allaient plus du tout avec comment je voulais m'habiller. Donc j'ai cassé en fait le 333 assez rapidement, et parce que sinon je pouvais pas m'habiller, c'était compliqué. Et en fait je l'ai pas refait, je vous ai pas fait de retour. Globalement il y a quand même pas mal de pièces que j'avais pas portées pendant ce challenge, beaucoup de choses que j'avais sélectionnées que j'ai pas portées. J'avais dépassé un peu les 33 pièces, mais finalement en fait c'était pas nécessaire. Clairement il y a vraiment des pièces que j'ai pas portées parce que j'en avais trop. Les pièces que j'avais en double, genre j'avais deux petites vestes un peu légères dans les tons bleus, bah en fait ça servait à rien parce que j'en mets une et pas l'autre, donc aucun intérêt d'avoir deux pièces très similaires, ça c'est aussi ce que je retiens. Voilà, là en ce moment en hiver c'est un peu particulier parce que je m'habille vraiment pour avoir chaud. Et j'avoue qu'en termes de style, c'est vraiment le minimum syndical. Je m'habille très souvent tout en noir. Et je mets un bonnet bleu, un sac bleu, comme ça, ça fait la dose minimum de couleur. Mais clairement, en ce moment, c'est du noir, du gris, et c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, là je suis déjà contente d'avoir eu le temps de trier mon dressing. Je vais aller jeter des tissus, je pense à la benne. Clairement, j'ai plein de tissus qu'il faut que je... Enfin, des chutes, plein de trucs... qu'il faut que je jette, donc que je mette dans les bennes à tissus, je vais essayer d'en trouver une, et voilà, et sinon c'est à peu près tout. About myself, I wish I was somewhere else, far from my fear, anxiety, far from my weakness. I could be gone, gone, but I'm just afraid. I refuse to fix. Oula. Bon, vous connaissez la chanson, quand je suis en mode vlog ou en mode couture, en fait souvent c'est quand j'ai du temps libre et quand bah en fait quand je fais rien chez moi, et du coup souvent je suis en pyjama, c'est la vraie vie. Ce que vous avez vu donc juste avant, on se retrouve plusieurs jours plus tard, ce que vous avez vu donc c'est mes tentatives de hack, enfin mes essais, ma toile pour un hack d'un top. Faut que je vous en parle parce que je sens que ça va être muy caliente, vraiment j'ai une idée. J'espère que je vais réussir à transformer l'essai comme on dit, mais je pense que ça peut être vraiment très 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 chouette. Du coup j'ai eu l'idée de hacker le top Viola de Fibromood que je vais vous remontrer juste après. C'est un top que j'avais cousu l'été dernier et que j'aime beaucoup parce qu'il y a une espèce de découpe princesse comme ça sur le devant qui est très jolie, sauf que la finition du top en lui-même avec voilà, il y a un volant etc, c'est pas forcément ce que je préfère parce que c'est pas ce qui me va le mieux. Et du coup j'ai quand même envie de conserver la coupe princesse, de partir de cette base là qui est quand même très jolie, que j'aime beaucoup et qui est pas évidente à patronner, enfin je sais pas encore le faire, donc voilà, et de partir en fait de cette base là pour faire un autre top inspiration un peu corset, un peu voilà, top avec un peu style corset sur le devant avec une découpe princesse et des grosses manches bouffantes, des smokes. Donc je me suis entraînée à faire les smokes, c'était la première fois que j'en faisais et ça s'est bien passé, je suis contente, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais, donc c'est très positif, je suis ravie, je vais pouvoir en faire partout parce que ça du coup ça simplifie vraiment la couture, ça évite de poser des zips etc, et étant donné que moi je cherche avant tout le confort, c'est vrai que les smokes c'est quand même un super compromis. Et quand on débute en patronage, je trouve que même en couture en fait finalement les smokes ça permet aussi d'adapter le vêtement à sa morphologie sans trop se prendre la tête quoi. C'est pas du patronage de l'adaptation en fait avec des pinces et tout, des ajustements qui peuvent être compliqués. Quand je vois les vidéos de Mathilde de la chaîne Méthode Mathilde, quand elle met au point ses patrons, elle travaille des heures sur des détails, sur des petits plis etc, à jouer avec la hauteur de la pince, la longueur de la pince, la position de la pince etc, et je trouve que c'est un travail de dingue, et personnellement je me sens pas encore capable de le faire. Mais du coup je trouve que les smokes ou tout ce qui est tissu stretch, tout ça, tout ce qui est un petit peu les fronces, tout ça, c'est ce qui permet un peu de tricher et entre guillemets d'adapter des vêtements à sa morphologie sans trop y passer des heures. Je vais vous montrer les tissus dans lesquels j'ai prévu de coudre ce top, je vais vous remontrer le top et la toile que je suis en train de faire. Il me reste encore un essai de toile à faire sur une manche longue
Il faut que je réfléchisse à ma finition. Je pense que je vais faire des finitions au biais parce que j'aimerais quand même avoir une jolie finition. J'aimerais doubler le devant, voire tripler le devant pour vraiment avoir un bon maintien et quelque chose d'assez solide. Et je sais pas encore exactement comment je vais finir le top. Il faut que je réfléchisse, mais ça fait partie du job. J'ai quand même une idée qui pourrait être, je pense, assez sympa, qui pourrait faire un résultat assez chouette. Donc je vais voir. Voilà. Donc pour ce qui est du hack que j'ai décidé de faire, je vais vous montrer la toile que j'ai commencé, qui encore une fois est complètement difforme. Il manque une manche parce qu'il faut que je fasse une deuxième manche pour tester la manche longue. Et voilà. Donc au niveau du patron, ce que j'ai modifié, c'est que j'ai gardé la découpe princesse sur le devant. On voit la couture comme ça avec la forme. Mais je suis venue en fait créer une forme. Je sais pas si on le verra très très bien, mais voilà. On a la forme avec la découpe princesse. Et ensuite ça vient de façon plus droite. Je sais pas comment dire, j'ai prolongé le patron en fait pour garder le galbe et puis ensuite je suis venue prolonger un peu plus droit en évasant un tout petit peu les pièces sur le bas des pièces pour que ce soit pas trop serré au niveau du ventre. Donc voilà, j'ai fait la pièce dos, donc j'ai fait une pièce au pli et je suis venue créer des fronces. Alors j'ai cousu mes fronces du mauvais côté, mais c'est une toile donc on s'en fiche. J'ai pas cousu toutes les fronces non plus, le but c'est que tout le dos soit froncé. Je les ai écartées de 2 cm, je trouvais ça beaucoup. Puis finalement en fait vu que je vais faire tout le dos, je pense que c'est bien. Je vais voir si j'écarte pas même de 2 cm. 5 pour vraiment gagner de peut-être 2 ou 3 rangées et éviter d'utiliser trop de fil élastique, ça coûte quand même cher et punaise, qu'est-ce que ça en bouffe. Donc voilà, j'ai réglé ma tension. Alors je crois que ma tension elle est à 9 et mon point est à 4, donc c'est le point le plus large avec la tension la plus élevée. C'est comme ça que j'ai réussi à régler mes fronces. J'ai pas trouvé de réglage universel sur internet, il y a toujours des réglages différents d'une personne à l'autre, donc je me suis dit que j'allais faire des tests et moi c'est ce qui fonctionne. Donc voilà, et pour ce qui est de la manche, en fait je suis venue récupérer une manche d'un top que j'avais fait, que j'avais commencé à patronner. Je ne sais plus d'où vient cette manche, donc le but c'est d'avoir en fait une manche qui vienne sur le côté et qui, enfin, le concept de la manche finalement, et qui vienne en fait avec un élastique se resserrer au niveau de l'épaule, et je vais mettre également un élastique au niveau du bas de manche pour resserrer et avoir vraiment cet effet de manche ballon, voilà, qui devrait être super joli. Donc voilà pour le hack que je suis en train de faire. Là il faut que je fasse donc la deuxième manche avec voir la manche longue, voir au niveau de la longueur, si je mets un poignet de manche aussi, un bracelet de manche, je verrai, ça je ne sais pas encore. Je pense que ça pourrait être super élégant, un côté très romantique comme ça, donc il y a moyen. Voilà, donc il faut encore que je réfléchisse à tout ça, et surtout il faut que je réfléchisse à mes finitions. Ça c'est vraiment le plus dur je trouve dans les hacks, c'est les finitions. Alors c'est pas toujours compliqué d'un vêtement à l'autre, mais là je me suis dit je vais faire une finition avec un biais au niveau de l'encolure, mais je suis en train de me dire que j'aurai beaucoup d'épaisseur parce que je voudrais vraiment entoiler le devant, donc je vais utiliser un coton très épais que j'ai dans mon stock, sauf que je risque d'avoir beaucoup d'épaisseur et ça risque de pas être joli sur le devant. Donc je me dis que j'ai meilleur temps de poser ma doublure par le devant et à la limite de faire des coutures anglaises sur le côté. Je pense que ça c'est l'option peut-être la moins pire, de poser mes manches. Et il faut que je réfléchisse aussi à la finition de tête de manche. Est-ce que je fais une extrusion sur le patron avec est-ce que je fais un bandeau qui vient ensuite se replier, que j'ajoute sur la manche et qui du coup vient directement dans la pièce de patron, que je vais venir replier, faire un double repli pour passer l'élastique pour créer une glissière. Est-ce que je rajoute rien et que du coup j'essaye de faire au feeling? Est-ce que je pose un biais pour faire cette glissière? Ça je sais pas du tout, vraiment là j'en ai aucune idée, c'est hyper flou, donc il faut que je réfléchisse en fait à tous ces détails. But you'd like to leave this feeling. We got to breathe, to dig, to leave the life we are dreaming. It could go wrong, but I'm just a nest. You must be lonely, but you could be crazy if you keep looking down. Don't you cry no more. Ok, alors voilà où j'en suis pour ma première toile. Voilà, vous vous dites c'est un truc qui va pas. Non, les manches sont pas les mêmes parce que je teste 2 types de manches. Ça c'était mon premier essai que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je m'étais rendu compte que c'était pas assez long au niveau. C'était pas assez long en fait à ce niveau-là pour rattacher la manche. Enfin, ça n'allait pas. Donc j'ai repatronné en fait cette manche-là. Enfin j'ai repatronné. Ouais, j'ai refait une pièce pour cette manche là et donc je la fais revenir en fait vraiment jusqu'au niveau de la couture de la découpe princesse
Donc pour le devant, je trouve que c'est bien, ça fait un super décolleté comme ça avec les clavicules, je trouve ça très joli. Alors là, il y a un côté très guenièvre médiéval parce que j'ai pas posé l'élastique en bas de manche. Je vais faire la glissière, je vais voir, peut-être que je vais réduire quand même un peu le bas de manche, enlever quelques centimètres. J'aime bien les manches bouffantes, mais il faut voir ce que ça donne. Et dans le dos, ça donne ça. Donc ça fait, je trouve, un super dos. Alors vous voyez le dos smoké, j'ai pas tout fait ce que je voulais faire de l'économie de smoke, mais j'ai le haut, déjà le haut qui est bien smoké et qui est super confortable, enfin, c'est vraiment top. Par rapport à la poitrine, du coup ça sert pas du tout. Alors là j'ai qu'une épaisseur de coton, mais sur la version finale j'aurai trois épaisseurs devant. Je vais avoir mon tissu principal, un entoilage et une doublure. Donc comme ça j'aurai vraiment quelque chose de bien rigide, de bien maintenant sur le devant. Et voilà, pour ce qui est de la tête de manche, du coup j'ai fait passer en élastique. Alors j'ai quand même peur que ça glisse. Faut voir une fois que j'aurai mon élastique en fait en bas de manche qui maintiendra la manche longue. Pour ce qui est de la manche courte, je me fais pas de soucis parce qu'elle est légère, donc ça risque pas de glisser. Pour la manche longue, je sais pas, je vais voir, mais j'ai pas envie d'ajouter un cordon dans le dos. Je trouve que ce serait dommage. Ce qu'il faudrait faire, c'est que ma manche revienne plus loin dans le dos, revienne plus ici au niveau de mon omoplate, mais je trouve que ce dos est tellement beau que je vais essayer de faire ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, et au niveau longueur je vais le laisser comme ça parce que ça me permettra de le rentrer, donc mon nombril est là à peu près, ça me permettra de rentrer en fait le top dans des jupes taille haute, des pantalons, etc, et que ça ressorte pas. Un truc que j'aimerais faire aussi, mais ça il faudra que j'aille en mercerie, j'aimerais bien acheter du lycra blanc ou beige, une matière voilà presque maillot de bain, et je pense que je vais passer pas mal de mes créations, de mes chemises déjà existantes, de mes tops, etc, en body, parce que je porte beaucoup de vêtements coincés dans le pantalon, dans voilà, une jupe, quelque chose, et les body c'est ce qu'il y a de plus confortable. Bon, j'adore ça, j'ai pas forcément besoin d'une ouverture en plus en bas du body parce que j'ai une petite technique, donc du coup je pense que je vais faire ça sur pas mal de hauts. Sur celui-là j'aurais pas besoin, mais voilà, du coup c'est bien d'avoir un peu de longueur pour pouvoir le rentrer, et je le porterai je pense toujours dans quelque chose de taille haute. Là j'ai un vieux legging de sport, donc comme ça ça va pas super bien, mais c'est pas grave. Et voilà, donc là je vais tester l'élastique de bas de manche, et bah si tout est bien, je vais écrire mes étapes de montage quand même, parce qu'il faut pas que j'oublie, voilà, au niveau finition par rapport au devant, etc, pose de la doublure, machin. Et puis je pourrais me lancer. Il faut aussi que je fasse, très important parce que du coup on va faire un top bicolore, il faut que je fasse l'empiècement pour le dos, donc je divise ma pièce, etc. Je me demande si je ferais pas ça sur le tas, je vais voir. Et voilà, et j'ai à peu près tout, j'ai tous mes tissus là, tout est lavé, donc on va je pense passer à la découpe des pièces. Bon, est-ce que j'ai tout cousu et que j'ai oublié de filmer? La réponse, bien évidemment, est oui. J'ai complètement zappé hier que j'étais en train de vlogger la couture de ce truc. Bon bah c'est pas grave. Voilà du coup ce que ça donne. C'est particulier, on va pas se mentir, c'est particulier. C'est ce que j'avais imaginé plus ou moins. Maintenant c'est vrai qu'entre le rêve et la réalité, comme on dit, il y a toujours tout un monde. Du coup c'est le résultat du hack donc que je vous ai montré, des différentes petites toiles que j'avais essayées précédemment. J'ai utilisé deux coupons de coton, alors j'ai pas tout utilisé, il m'en reste, d'ailleurs ça c'était la doublure de mon, enfin, c'est le même tissu que la doublure de mon manteau que je vous ai présenté dans le dernier bilan couture. Voilà ce que ça donne. Donc on a en fait le hack de Viola qui est en fait cette partie là, la partie de la poitrine avec la découpe princesse et cette forme de vague, donc les coutures au niveau de la poitrine. Moi j'ai hacké pour continuer en fait le patron, faire en sorte qu'il revienne bien droit, et je suis hyper fière de mon hack parce que ça tombe vraiment bien. D'habitude par rapport à ma poitrine j'ai toujours des problèmes au niveau des hauts, les pinces sont pas au bon endroit, les découpes sont pas bonnes, l'amplitude de poitrine n'est pas la bonne. Je suis pas la seule hein, de toute façon j'ai l'impression que chaque femme qui fait de la couture a ce même problème au niveau de la poitrine. Il faut toujours adapter par rapport à sa poitrine à soi, qu'elle soit plus grosse ou plus fine.
Et donc j'ai toujours des problèmes comme tout le monde, mais là pour le coup j'ai réussi à bien patronner et à faire en sorte que bah, ça tombe bien, qu'au niveau de la poitrine ce soit joli, qu'il n'y ait pas trop d'erreurs et que la ligne en fait continue ici, qu'elle plaque bien le ventre sans être trop, trop écrasante quoi, donc c'est vraiment chouette. J'ai également patronné les manches, alors les manches elles sont, vous voyez que mon raccord est pas bon ici, je voulais que ma manche arrive pile au niveau de ma ligne, bon il se trouve qu'en cousant j'ai pas fait attention, je suis allée trop loin, pareil de l'autre côté. Donc j'ai eu ce petit souci là de chaque côté, c'est pas très très grave, le raccord est pas impeccable mais bon tant pis, ce n'est qu'un détail. Donc les manches qui sont des manches bouffantes, j'ai un peu réduit l'amplitude par rapport à la version toile, donc j'ai enlevé 8 cm ce qui fait en tout 16 cm. J'ai fait des coutures anglaises aussi, j'ai un problème, enfin j'ai un problème avec ma surjeteuse, non, en gros ma surjeteuse je l'ai eu il y a un an et demi, je l'ai eu pour Noël, pas Noël dernier, Noël d'avant. Et je ne l'ai pas emmené chez le réparateur, enfin j'ai pas fait d'entretien, hormis l'aspirer de temps en temps depuis un an et demi. Donc bien évidemment le couteau de ma surjeteuse est un peu en PLS. Donc il faut que je le fasse soit aiguisé, soit changé, je sais pas comment ça se passe. Donc je l'emmènerai chez le réparateur pour voir avec lui. Et surtout qu'il me montre comment est-ce que je peux huiler ma surjeteuse si effectivement il faut le faire. Encore une fois ça c'est un truc que je fais sur aucune de mes deux machines et il faudrait que je le fasse. Bref, parenthèse. Au niveau du coup de la continuité du hack, j'ai fait donc le dos. J'ai smoké le dos, donc j'ai, alors il est plus long, hein, il arrive vraiment dans mon jean, je l'ai vraiment fait assez long pour pouvoir le rentrer dans des vêtements et qu'il bouge pas du tout, donc ça c'est assez cool. Par rapport au dos du coup j'ai fait des smokes, j'ai utilisé du fil pour smoke et j'en avais pas assez, donc j'ai une moitié en noir et une moitié en blanc puisque j'ai dû en racheter et j'ai pas trouvé de fil noir, donc c'est pas très grave. Globalement les smokes, mon retour d'expérience sur les smokes puisque c'était la première fois que j'en faisais, c'est mon premier vêtement avec des smokes, déjà moi j'adore le résultat, je trouve que c'est vraiment super, j'adore le confort des smokes, j'aime beaucoup le toucher aussi, c'est marrant. À voir comment ça vieillit dans le temps au fur et à mesure des lavages etc, je pense que c'est un haut qu'il va falloir laver délicatement comme la plupart des hauts que je couds, mais effectivement le retour d'expérience sur les smokes est très positif, j'adore le rendu, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait, j'aime beaucoup aussi la rapidité avec laquelle on peut smoker une pièce, j'avais l'impression que c'était très long mais en fait pas du tout, c'est plutôt rapide. Voilà, une fois qu'on est lancé, qu'on a les bons réglages, qu'on a réussi à faire sortir le fil de la canette, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable et je trouve que le rendu est vraiment bien et surtout j'aime beaucoup le côté versatile de ce type de pièce, c'est à dire que une pièce smokée elle va vraiment venir s'adapter sur le corps et je trouve que c'est vraiment bien parce que bah, ça donne des vêtements très confortables quoi, je peux l'enfiler, il n'y a pas de zip, c'est ajusté mais sans être, voilà le devant est vraiment bien ajusté mais voilà sans être inconfortable, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve que ça règle aussi, ça évite beaucoup de problèmes de patronage par rapport au fait d'ajuster une pièce etc avec des pinces et machin, chose qui m'est encore un peu difficile pour l'instant. Avec des smokes on règle plein de problèmes, donc j'ai plein d'autres modèles en tête, des patrons que je veux hacker pour les faire avec des smokes, pour ne pas avoir à poser de zip mais quand même avoir des vêtements ajustés sur moi, donc je suis ravie de maîtriser cette technique. J'ai acheté 3 bobines de fil de smoke pour être tranquille pour les prochains projets parce que ça bouffe quand même, hein, c'est un truc de dingue et ça coûte un petit peu cher, mais je suis très très contente. Alors il y a quelque chose que j'avais très très envie de faire avec vous. J'espère que ça vous plaira. En vrai, je teste un truc pour ce vlog, un truc un peu spontané. On verra si ça prend ou si ça prend pas. J'ai envie de faire avec vous un point sur mon stock de tissus et sur les projets que je prévois de coudre dans les mois à venir. Là ça y est, il fait beau en ce moment. À chaque fois que je tourne une vidéo et qu'il fait beau, je pense à Emma de Frundy Couture parce qu'il fait très beau à Nancy depuis quelques jours. Donc ça c'est très agréable. Donc voilà, j'ai envie de faire un point avec vous sur les projets qui vont venir puisque du coup le printemps est en train de pointer le bout de son nez. Et comme vous pouvez le voir à mon stock de tissus, j'ai quand même pas mal de couleurs claires et de couleurs assez estivales. Et donc j'ai envie de faire un point avec vous sur les projets à venir sur ma chaîne, un petit peu voir un point sur mon stock de tissus et sur les projets que j'imagine en fonction des tissus que j'ai dans mon stock. Donc là c'est tous mes tissus, je me suis donné pour mission de pas en racheter, tout simplement avant d'avoir écoulé ce stock. Il y a beaucoup de tissus qu'on m'a donné, il y a des tissus que j'ai achetés de seconde main, c'est des choses que j'ai accumulées depuis un moment, il y a des tissus que j'ai achetés voilà cet hiver que je garde pour le printemps. À rappeler que donc du coup les tissus que j'ai ce sont soit des tissus que je chine de seconde main, donc essentiellement dans des recycleries Emmaüs, voilà des enseignes des chaînes de recyclage ou des associations de recyclage, ou alors des tissus qu'on m'a donné, donc par exemple une cliente de mon papa m'a donné plein de tissus.
Je vais commencer tout de suite. Alors on va commencer par cette pile là, c'est presque mes tissus les plus récents. Ici on a le coupon de tissu, vous le reconnaissez, c'est celui là, c'est une chute de tissu rose. Pour l'instant j'ai pas d'idée d'autre chose à faire dedans puisque je viens de le coudre, mais je pense qu'un petit top, peut-être une blouse rose de chez Charlène Plot, ça pourrait être sympa. Je vais aussi me garder quelques tissus parce que j'ai la sensation qu'elle va bientôt sortir son nouveau livre. Voilà, donc celui-ci je sais pas encore. J'ai cette soie rouge magnifique, j'en ai un assez grand coupon, je vais pas tout déplier parce que ça servira à rien. Elle est déjà lavée, c'est un coupon que j'ai trouvé de seconde main, c'est une soie qui est légèrement tissée, enfin il y a des motifs voilà, comme si c'était une sorte de jacquard. Je la trouve vraiment magnifique. Est-ce que ça existe un jacquard de soie? Mais en tout cas voilà, c'est une soie très très belle. Et alors là du coup je fais appel à vous puisque j'ai ce tissu là mais je ne sais pas du tout quoi faire dedans. J'aimerais coudre un chemisier, mais j'aimerais un chemisier un peu original. J'ai pensé peut-être à la blouse, je crois que c'est la blouse Justine de chez Apolline Patterns. Le truc c'est que je me suis potentiellement donné pour mission de ne pas acheter de patron cette année. Je suis en train de jeter le dernier à Maison Victor et le dernier Fibromood qui ont l'air incroyables. Donc voilà, je me retiens. Mais effectivement, j'ai pas mal de patrons que j'ai dans mon stock, de patrons, que ce soit physique ou numérique, que j'ai pas encore cousu. Donc l'objectif, c'est de pas forcément racheter de patron. Néanmoins, j'ai cette soie que je trouve magnifique et j'ai pas envie de coudre n'importe quoi dedans. Donc si vous avez des idées de patrons qui pourraient être sympas avec une soie rouge, je suis preneuse. J'aime bien tout ce qui est. J'aime bien l'école Lavalière, j'aime bien l'école français aussi, l'école avec un peu des froufrous. Pas forcément une chemise parce que j'ai déjà des patrons de chemise et j'ai pas forcément envie d'en coudre une dedans. Mais voilà, si vous avez des idées de chemisier, je suis preneuse. Voilà pour cette soie rouge. J'ai ensuite pas mal d'autres tissus, je vais peut-être pas tout détailler, mais là j'ai une viscose, j'ai un lin viscose super grand dans lequel j'envisage de faire peut-être une sorte de version de la robe canopée de Minimoy Pattern, sauf que bien évidemment je ne vais pas acheter de patron parce que le but c'est de pas en acheter. Par contre ma robe Clématis Pattern, la robe Laurine que j'ai cousue des milliers de fois, le corsage est le même, et si je fais un peu une sorte de hack, je pense que je peux réussir à faire la même chose, donc peut-être une robe longue dans cette viscose, ce lin viscose que j'avais trouvé de seconde main. Ensuite j'ai pas mal de petits coupons comme ça qui sont aussi des viscoses que j'ai trouvé de seconde main. Celui-ci j'aurais bien vu une jupe, ça par contre pareil, si je trouve un chemisier, je pense pour faire la blouse rouge je ferai le même dans ce tissu parce que je le trouve très beau et c'est un peu le même style de tissu, donc pourquoi pas. Ensuite là j'ai une sorte de double gaze blanche, là pour le coup j'ai pas d'idée, ça je ne sais pas, mais double gaze blanche je me dis que ça peut toujours servir. Ensuite j'ai ce coupon sublime, c'est un coupon, c'est une nappe que j'ai acheté de seconde main, c'est une nappe rose bonbon, voilà, on est un peu dans le même rose, sublime. Et alors là je veux absolument faire un ensemble jupe plus veste, un peu comme j'avais fait l'année dernière avec mon ensemble toile de Jouy. Je pense que je vais refaire peut-être une Madame Dita ou une version de la, justement de la robe la baroudeuse en version veste courte parce que j'aime beaucoup ce patron, et une jupe, peut-être la jupe Hortense avec les rabats, enfin, voir pour faire un ensemble un peu working girl mais Barbie girl. C'est pas ma référence ultime hein, mais il se trouve que c'est un rose flashy. J'adore. Je me suis dit peut-être aussi essayer la veste Julia de chez Clématis Pattern qui est une veste de blazer. Pourquoi pas, on verra bien. Donc ça c'est un coupon que je prévois de coudre très prochainement. Ensuite j'ai ce coupon de tissu. C'est une sorte de tweed. Très très joli. Et c'est rose pâle et c'est très beau. Et ça fait un moment que je me dis qu'est-ce que je couds là-dedans. Et je pense qu'en fait je vais me faire une Hortense de Charlène Plot là-dedans, ça c'est sûr. Il y a un côté tweed un peu Chanel que j'aime beaucoup. Donc je me dis que ouais, une petite Hortense là-dedans, ça pourrait être sympa. Ou une petite robe peut-être très ajustée, je sais pas. Ça je vais voir, mais j'ai ce coupon-là que j'aime beaucoup. Ensuite, ça c'est de la doublure. Enfin c'est du satin de polyester en doublure. Enfin en doublure, c'est plutôt de la doublure. J'avais fait un pyjama il y a quelques années dedans. Pas de projet particulier en tête pour l'instant, donc je vais mettre ça de côté. Il me reste des chutes, des grosses chutes, parce que j'en ai deux coupons, deux tissus, donc c'était un rideau et un drap de lit de ma robe, ma baroudeuse, ma première baroudeuse de Française une fois. Vous voyez que c'est un peu toujours les mêmes patrons hein, qui reviennent des vêtements que j'ai cousus. Du coup, étant donné que j'ai fait ma baroudeuse dedans, j'ai pas forcément envie de me recoudre un vêtement dedans tout de suite. Peut-être que je ferai des accessoires dedans, je ne sais pas encore, mais pour l'instant pas d'idée, donc je mets ça de côté. J'ai ce... J'en ai vraiment une tonne. En vrai, là, je me rends compte en faisant le tri que j'ai plein de tissus, quoi. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, d'où l'intérêt de ne pas en racheter. J'ai ce rideau très, très beau de seconde main que j'ai acheté il y a à peu près 2 ans. Et il est vert, très, très beau, avec des fleurs un peu comme peintes à l'aquarelle. Je ne sais pas quoi faire dedans parce que c'est assez rigide comme tissu. Donc, une blouse, ce serait peut-être pas très joli. J'en sais rien. Là, je vous avoue que je sèche un peu. Donc je verrai ce que je fais dans ce tissu-là. Pour l'instant, on n'a pas d'idée, donc je le mets de côté. Mais il faudrait que je réfléchisse quand même à un projet pour ce tissu-là que j'avais acheté il y a quand même pas mal de temps. J'ai un reste, un bon gros reste hein, d'un coupon de coton à pois
blanc dans lequel j'ai cousu mon crop top Marguerite de Charlene Plow. C'est un coupon que j'adore, je voudrais faire une petite blouse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans? Peut-être une petite chemise, quoique non, des chemises blanches, j'en ai déjà, aucun intérêt. Je ne sais pas encore, mais j'ai ce, voilà, ce coupon là. Peut-être un petit t-shirt ou un truc assez simple, un petit top assez simple. Oh, j'ai une idée. Je pense que je vais faire ce hack, mais sans les manches. Donc je vais en fait garder le hack de base que j'ai fait du buste. Je vais garder les bretelles de base de, du top Viola de Fibre Mood, donc en débardeur. Et je ferai un haut en fait sans les manches longues comme ça, dans ce tissu là. Je pense que ça pourrait être très joli parce que j'ai besoin de débardeur blanc que je puisse porter sans soutien-gorge, à mettre avec des shorts, des choses comme ça. Et je pense que ce coton sera parfait. Donc je vais le garder pour ça, je ferai le hack cet été. Et peut-être que du coup ça pourrait être l'occasion de faire un tutoriel un peu plus détaillé sur comment j'ai hacké ce patron et ce que je pourrais en faire, bon, voilà, comment le doubler, etc, etc. Bref, je vous laisse cette suggestion, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, je sais pas combien de temps ma caméra va tenir. J'ai cette nappe très belle avec des roses magnifiques, très beaux, dans des tons verts et tout. Faut que je trouve une blouse à coudre là-dedans. Pareil, si vous avez des suggestions, j'ai fait une blouse rose un peu dans ce style-là, mais je sais pas trop. Là, je verrai. Peut-être un top un peu style corsage. Peut-être le patron Carthage de Belen. Je trouve que c'est très joli, ça ce serait très sympa. Et puis, j'ai d'autres choses, des rideaux, des housses de couette dont je ne sais pas quoi faire encore. Globalement, le bilan, c'est que j'ai beaucoup de tissus que j'ai trouvé de seconde main, beaucoup de tissus qu'on m'a donné, et pas tant d'idées que ça finalement. Alors c'est pas une mauvaise nouvelle parce que globalement j'ai pas beaucoup de temps pour coudre, mais ça veut dire aussi que j'ai énormément de tissus, pas beaucoup d'idées et pas beaucoup de besoins. Donc c'est bien, ça veut dire que je vais pouvoir étaler aussi la couture de ce stock là sur une longue période. Donc finalement la morale de l'histoire c'est que je vais pas avoir besoin de racheter de tissus avant un long moment. Et c'est très bien, mon challenge c'est de ne pas racheter de patron non plus, sauf peut-être des magazines, mais ça on verra. Donc voilà, le programme des prochains mois, prochaines semaines, j'espère que ça vous aura inspiré. En tout cas moi ça m'a fait prendre conscience que j'avais beaucoup de travail en termes de couture. Là on est large. Je tourne ce vlog sur littéralement peut-être 3-4 semaines et la vidéo devait sortir la semaine dernière mais j'étais super occupée. Donc finalement on s'étend sur une semaine supplémentaire. Et je crois que dans la dernière partie de vlog, j'étais en train de vous montrer tout mon stock de tissus et de vous dire que j'essayais d'écouler mon stock et que du coup j'allais pas racheter de tissus, enfin récupérer de tissus en tout cas, jusqu'à ce que j'ai écoulé mon stock. C'est faux. C'est un mensonge, c'est un archi mensonge, je me contredis dans les 3 minutes de vidéo qui suivent puisque je viens de passer dans une usine de fabrication de textiles en Lorraine. Je vous donne pas mon adresse, c'est pas pour garder le secret, c'est juste que c'est un partenariat que j'ai monté avec eux pour un projet et donc du coup c'est quelque chose qui se fait dans le cadre d'un projet. Donc c'est pas vraiment un partenariat qui est ouvert aux particuliers ou qui est ouvert voilà comme ça où on peut récupérer des tissus, c'est vraiment un truc très particulier. Et du coup je suis passée dans cette usine pour récupérer des tissus pour mon projet et dans ce stock de tissus qui était énorme que j'ai récupéré, j'ai gardé des petites choses pour moi parce que bah il y avait des petits tissus quand même vachement cool. Je vais désaturer un peu la luminosité là parce qu'on est très on était très blanc, très twilight vibes pour le coup. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai récupéré parce qu'il y a quand même des pépites. Je vais vous parler aussi un peu comme pour le stock de ce que je veux, ce que je pense coudre dedans, ce que j'imagine. Je vais vous montrer tout ça parce que vraiment je crois que là il y a de quoi faire. Je vais commencer, franchement je vais pas être aussi longue mais genre je sais pas combien, je pense très Raphaël DVN, tu vois. Je pense que j'ai récupéré au moins 8 mètres de tissu coton blanc, légèrement avec un... On verra rien du tout, mais il y a, une légère, un léger côté un peu rayé, ton sur ton. J'en ai une quantité astronomique, mais... trop bien quoi, je suis trop contente. Donc je pense que je vais me coudre la blinde de vêtements blancs. Je pourrais faire des doublures aussi là-dedans. Je me dis que ça me permettra ouais, vraiment de faire... Je voulais retenter de faire une combinaison pôle de République du Chiffon que j'ai déjà cousu deux fois, mais à chaque fois le tissu en fait c'était une de mes premières cousettes et en fait j'avais pas lavé mes cotons et donc du coup mon tissu a complètement rétréci après le premier lavage. Donc mes deux combinaisons pôles que j'avais cousues, que j'aimais d'amour, bah finalement ils sont plus métables. Ensuite voilà tout ce que j'ai récupéré, c'est hyper lourd. Des fois je me fatigue mais je peux pas les passer à côté de ces tissus, je peux pas me dire je les utilise pour le projet. Je peux pas, faut que j'en garde une partie. C'est un peu le problème. J'ai ce tissu là, alors j'aurai pas exactement le détail, mais ça me semble être une sorte de
tissu satiné, c'est pas un satin, mais c'est, je pense que c'est du coton, il est légèrement satiné, couleur un peu crème, bien évidemment la caméra écrase les couleurs, donc voilà, mais c'est beaucoup de couleurs beige, crème, voilà, c'est à la base c'est plutôt du tissu d'ameublement, du textile d'ameublement, donc voilà, ici qu'est-ce qu'on a, un satin uni beige, et je pense que je vais faire dans ces chutes, j'en ai deux fois de cette chute là. Et je pense que je vais me faire une veste. Je vous mets l'inspiration que j'ai ici. Je vais la coudre, je vais essayer de la coudre ce week-end. Le truc c'est qu'il faudrait que je lave mon tissu. Donc je pense que je vais faire un lavage très rapide tout de suite pour pouvoir faire sécher mon tissu et le coudre demain, ou voilà, faire en sorte de pouvoir le coudre rapidement. Je voulais me coudre en fait une veste type saharienne. Je vais reprendre bien évidemment le patron de la baroudeuse de Française une fois, et je vais refaire voilà, mon hack avec la doublure, etc. Je pense que ça va être très très cool. Ensuite j'ai littéralement, je pense encore une fois, 8 mètres de lin. Genre ça c'est une chute apparemment pour eux. Chez moi on appelle ça une pépite. 8 mètres à peu près de lin, je pense, vu la quantité que ça pèse. Je suis ravie puisque j'adore les vêtements en lin, notamment pour l'été. J'adore les pantalons en lin, j'adore les shorts en lin. J'aimerais bien faire une petite robe en lin. Enfin là vraiment, il va y avoir du lin à toutes les sauces. J'en ai encore une fois une quantité astronomique. Je pense que pour ce tissu là, ce que je ferai, c'est que je couperai la quantité dont j'ai besoin pour chaque projet et je laverai au fur et à mesure, parce que là si je lave tout d'un coup, je sais pas comment je peux étendre tout ça. Faudrait limite que j'aille au lavomatique. J'en ai une quantité de ouf. J'ai ensuite ce jacquard magnifique. Non mais est-ce qu'on en parle vraiment, genre. Et la caméra s'il te plaît. Non mais regardez-moi ça. C'est beau, oh, c'est sublime. Alors après on aime ou on aime pas, il y a un côté très Napoléon. Je pense qu'un short d'hiver là-dedans, alors c'est bien, on est en mars, super. Mais un short d'hiver là-dedans, là, ça peut être vraiment super joli. Une veste, mais j'aurai pas besoin de veste après ce que je vais coudre ce week-end. Donc voilà, encore une fois, un tissu dont je trouverai une utilité l'année prochaine. Mais c'est pas grave, on est très contents. Ensuite c'est la fameuse chute. Alors ça j'espère que du coup il y aura de quoi faire ma veste. Oh bah oui, largement, s'il n'y a pas de tâche. Parce que souvent c'est des tissus déclassés. Oh, bon. On est large, large, large. Donc ça c'est ce que je vais aller laver tout de suite. Je vais le mettre de côté. J'ai ce, pareil, c'est un espèce de lin, lin coton. Ça c'est le genre de tissu que j'adore pour faire des combinaisons. Lin coton beige clair, vraiment super joli. Ça, ce sera cousu, il n'y aura pas de problème. Ensuite j'ai un tissu rouge jacquard, hyper beau. J'aime tellement. C'est beau, punaise. Oh là là, j'aime trop. C'est un jacquard, donc en fait il y a des motifs en jacquard. Est-ce que c'est visible? J'espère. C'est très 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 beau ça. Ça c'est magnifique, j'espère qu'il a été blanchi, enfin ouais, qu'il y a eu l'après et tout ça, parce que sinon ça veut dire qu'il va dégorger à mort. Donc ça faudra que je le lave séparément des autres tissus. Autant mes tissus beige, la fille sort du champ de la caméra. Et dites bonjour à Georges, mon double menton. Il faudra que je lave donc, tous mes tissus beige, je pense que je les laverai ensemble, en tout cas ceux qui font moins de 8 mètres a priori. Et les tissus colorés, je les laverai à côté, enfin je ferai des lessives. Promis, on arrive bientôt à la fin de ce sac. J'ai ensuite des chutes de tissus d'ameublement. J'en ai une verte, je vous la déplie pas entièrement, mais voilà, une verte super jolie. J'ai du bordeaux aussi. Ça, je pense que je vais les garder pour mon mec et je vais faire des shorts. Je lui ferai des shorts je pense pour cet été. Je pense que là-dedans je peux me faire aussi une jolie jupe, mais j'ai pas besoin de jupe bordeaux, donc je pense que je vais le garder pour mon copain et je lui ferai alors peut-être pas mon polo là-dedans, c'est un peu épais. Oh, c'est légèrement on dirait qu'il y a une espèce de motif nid d'abeille, c'est chelou. Je pense que je lui ferai des shorts pour cet été, à mon avis ce sera très joli, donc je cherche. Et ben voilà, si vous avez un patron de shorts, j'imagine que vous allez me recommander les patrons les BG. Si vous avez un patron de shorts pour hommes, je prends, voilà. Ensuite j'ai cette chute de lin beige. Est-ce que je la garde celle-là? Encore une fois, parce que là ça commence à faire beaucoup de tissus qui se ressemblent, on est bien d'accord. Je vais voir si je garde cette chute là, j'avoue que je suis pas sûre, étant donné que je vais coudre ma veste là dedans, j'aurais pas tout à fait besoin de celle là. Après je me dis si je veux coudre une jupe, c'est terrible hein, le problème c'est d'être couturière. Et ensuite j'ai cette nappe. Elle est couleur framboise. La couleur est plutôt fidèle à la caméra pour le coup. Elle est peut-être à peine moins rose. Mais c'est une espèce de framboise comme ça, très jolie. Et ça pour faire une jupe. Vraiment, c'est des tissus qui sont très adaptés pour faire tout ce qui est jupe, short, pantalon. Qui ont un peu de tenue quand même. Des vestes aussi.
ce sera pas forcément hyper adapté pour faire des hauts ou alors des hauts très épais, mais voilà, c'est pas forcément le plus idéal. Donc voilà, tous ces tissus m'ont été donnés gracieusement par l'entreprise, puisque c'est un partenariat dans le cadre d'un projet, je le rappelle. Je suis super contente d'avoir pu récupérer ces tissus là. Là je vais m'en tenir à ma devise, qui va être de ne pas récupérer de tissus. Donc il s'agit pas simplement d'acheter, il s'agit aussi de ne pas récupérer de tissus jusqu'à ce que j'ai écoulé mon stock. Je pense qu'on peut se refaire un point de stock l'année prochaine, hein, clairement. Je voulais appeler cette vidéo vlog, mais elle va s'appeler point sur mon stock de tissus. Clairement c'est ça, parce que c'est ce qui s'est passé. Donc au final voilà, je suis quand même très contente d'avoir pu faire ce point là sur le stock de tissus avec vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura quand même un petit peu intéressé. Je sais que moi je regarde pas forcément les hauls tissus, mais que j'aime bien voilà regarder des rangements de tissus et écouter un petit peu ce que les personnes prévoient de coudre dans leur coupon de tissu. Je trouve ça toujours très cool, ce qui est finalement ce que les gens font pendant les hauls. Voilà, j'espère quand même que cette partie de vidéo vous aura plu, qui dure depuis très 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 longtemps. J'espère que vous reviendrez me voir pour coudre tous ces tissus là, en tout cas peut-être pas tous en vidéo mais une partie. Je vous souhaite sur ce une très belle journée, une très belle soirée, une très belle très belle matinée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, on ne sait pas dans combien de temps puisque je suis débordée de travail. Je vous fais une petite update aussi pour vous dire que j'ai passé ma soutenance mémoire, si vous êtes encore là, si vous me suivez assidûment. Donc j'ai passé ma soutenance mémoire qui s'est très bien passée, je suis ravie. Ça fait aussi écho à la vidéo sur la santé mentale et les études que je vous avais fait il y a quelques mois et qui était un peu une vidéo à chaud, et j'avoue que voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de vous lire sous cette vidéo là, et avec du recul du coup je peux vous dire que ça va beaucoup mieux aujourd'hui et que voilà, que les études ça roule, mais que ça me prend beaucoup beaucoup de temps, dont ce fameux projet qui est en lien avec le fait de récupérer des tissus. Et du coup voilà, j'avance gentiment mais sûrement, et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo quand j'aurai le temps de composer entre les cours et mon projet. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin.